Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, j'ai préparé un pain d'épices. J'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah, vraiment très très simple. هاد الكيك بالعطرية والعسل ونتمنى يعجبكم Inch'Allah. 250 g de farine, 250 g de miel. Il nous faut 50 g de sucre en poudre, 100 g de lait tiède, du lait entier de préférence, comme je vous ai dit, 2 œufs, un sachet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de cannelle, une petite cuillère à soupe de gingembre, une petite cuillère à soupe des 4 épices, une cuillère à soupe d'anis. Donc les 4 épices, voilà, moi j'ai ce paquet-là. Il y a marqué 4 épices. Donc vous avez vu les ingrédients. Il y a de la cannelle, clou de girofle, noix de muscade et gingembre. Voilà. L'ator ou l'atria. 250 g de tahin. Jouj bédat. 250 g de l'assel. 50 g de sucre. 100 g de l'hlib koundafi. هنا العطريه خصنا معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال لي 4 ايبيس. هاد 4 التوابل فيهم قرنفل، الكوزه، السكينجبير والقرفه. دونك لا جو في بروند ان سالادي، شبان سالادي. Je vais casser les 2 œufs. Je vais casser le bédat. Je vais rajouter le sucre. Je vais bien mélanger les 2 ingrédients ensemble. نحركهم مزيان حتى يتحركوا مزيان. Là, je vais rajouter le miel. هنا غادي نزيد كيما قلت لكم هذاك العسل. Moi j'ai pris du miel crémeux, vous pouvez prendre le miel normal. Vous savez que le pain d'épices est très très sucré, donc si vous n'aimez pas trop sucré, vous diminuez. Voilà, vous diminuez le sucre ou le miel comme vous voulez. Oui, mais qui a dit la tarière malofa, la إذا جاتكم حلوة بزاف ما ديروش السكر ونقصوا في العسل. المهم هي هكا كدار. دونك لا جو ميلونج. هنا كتخلطوا كلشي مزيان. On a donc les épices, donc là je vais mettre les épices. Cette kika maro face bien. Je dirais que mon esprit dit la race l'âme. Ou là qui dirait neuf Noël. Vous savez bien que le pain d'épices se fait toujours en période de fête de fin d'année, pour Noël ou pour la fête de fin d'année. Donc là je vais rajouter le lait. On a radinzit d'aklma chouïadapi, donc le lait un peu tiède. Voilà, je mélange le tout. J'ai rajouté aussi la levure chimique. Donc la levure chimique de 10 grammes. Voilà, je remue le tout.
هنا كنخلط هذوك لي زانغريديون كاملين، خلطوهم مزيان، دونك غوموي لو تو فوالا جوست افيك لا مان، و زافي با بوزوان دو فوي، جوست ا لا مان اي ان بو دويل دو كود سي بون. دونك Voilà, j'ai mis mon four à 170 degrés. Je vais la cuire pendant 45 minutes. Elle a 170 درجة وغادي تطيب 45 دقيقة. دابا غنديرها في الفران ونرجع معكم من بعد. Là, j'ai pris ce moule à cake, voilà, un moule à cake normal. Un azit واحد le moule ديال كيكه هكا كيخصو يكون طويل. هاد الحلوه معروفه بهاد الفورمه ديالها طويله، هي ما كتجيش هكا مدوره ولا مربعه، كتجي هكا طويله. المهم غادي ندير لي شويه ديال الزبده دونك وشويه الطحين. جو في بوغي لو مول لو فاريني اي جو في ميتر ما بات دودان. C'est prêt à être enfourné, comme je vous ai dit, 170 degrés. Voilà, je vais mettre dans le four. Voilà le pain d'épices juste sorti du four. Donc, comme je vous ai dit, 170 degrés pendant 45 minutes. Mohim, 170 درجة, 45 دقيقة. Oui, هذا خصو يطيب مزيان، كيشد شوية ديال الوقت، ماشي بحال دوك الحلوات العاديين. Donc voilà. Je vais le découper, je vais l'enlever du moule et je vous montre le résultat. On va le faire comme il va. Je trouve que j'ai un wataïb, je suis l'on les athées, elle dame, elle l'or. Donc là, je vais couper, je trouve qu'il va chercher. Voilà mon pain d'épices très simple. J'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah. Had kika ديال الحطريات، تمنيت تعجبكم. راه كتجي مختلفة على الكيكه العاديه، وواحد المذاق فن فيها زوين زوين زوين. J'espère que vous allez l'essayer, Inch'Allah. Et à une vidéo prochaine, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.